Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien un pack d'horreur à Arkham JCE que je tiens entre les mains. Si vous n'aviez pas vu ma vidéo précédente où j'ouvre la boîte qui démarre cette campagne, celle-ci, bah, vous pouvez cliquer hop dans ce coin-là et puis vous aurez accès à cette vidéo. Je n'ai toujours pas rejoué à ce jeu-là, donc mes commentaires ne vont pas être ultra intéressants. Ça va juste être la découverte des cartes joueurs. Donc si vous les connaissez déjà, je peux vous conseiller d'arrêter la vidéo parce que vous allez vous embêter. Hop, alors, toc, toc et toc. Donc, un petit dépliant que je vais garder dans ma collection de dépliants. Avec le dos, hop, ça c'est le petit livret du scénario. Très, très, très important. Autant dans Netrunner, je me fichais totalement de ce qu'il y avait d'indiqué. Autant dans ce jeu-là, ça fait partie intégrante du jeu. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez le numéro du scénario, c'est le scénario 3 de cette campagne. Vous avez des petites phrases d'ambiance d'introduction, vous avez le placement, la mise en place, etc. Bref, comme d'habitude, avec les conclusions, etc. Ne pas lire avant la fin du scénario. Bref, donc ça va rejoindre mon petit carnet de campagne. Et de toute façon, il y a de grandes chances que je ne joue cette campagne que quand les 7 packs seront réunis. De toute façon, vu que j'ai les 7 premières à faire, franchement, je ne vais pas m'ennuyer. Hop, alors je m'aperçois que j'ai oublié les petites faiblesses de base dans ma vidéo précédente. Mais de toute façon, les faiblesses... On n'a pas trop le choix de les mettre ou non dans le deck, on en prend une au hasard. Donc à la limite, si on ne sait pas ce qu'elles font, c'est pas bien grave. Vous ne le saurez pas, sauf si vous achetez la boîte. Alors, bref, j'arrête mes conneries. Là, on trie les cartes comme d'habitude. Ah, puis comme d'habitude, c'est toujours mélangé. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... Bon, alors on ne comprend pas, tout est mélangé. 39, 40, et là c'est le scénario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et là on en était, on en était à la 32. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, je ne sais pas compter ou quoi là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a des doublons, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, ça c'est bien la 29, la 30, la 31, je sais pas comment j'avais compté, 32, 33, ok, donc vous avez le scénario qui tient en 40 cartes, et il faudra, il faudra dans la mise en place du coup utiliser des petits modules livrés dans la Deluxe, comme d'habitude. Donc voilà, je ne sais absolument pas de quoi parle ce scénario. On le découvrira. Alors vous le découvrirez, je pense, avant moi. Moi, d'ici à ce que je joue ça, il se sera écoulé. À mon avis, des mois. Des cartes joueurs, donc on en a. A priori deux différentes par classe, donc c'est bien, voilà, en cours de campagne, il y a très peu d'apport de cartes, donc c'est plutôt cool. On a une carte gardien qui s'appelle la scène de crime, c'est un événement qui coûte 2 à jouer uniquement lors de votre première action, et ils aiment bien ça FFG, ces effets-là. Découvrez un indice dans votre lieu, deux indices à la place s'il y a un ennemi dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. C'est pas mal ça.
Habileté au tir, c'est un événement rapide à jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien, arme à feu ou à distance. D'accord, ok. Cette attaque peut cibler un ennemi dans un lieu connexe, ok. Ignorez les mots-clés distant et riposte pour cette attaque. Je sais même plus ce que c'est, ça vous voyez. Si cette attaque réussit contre un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, elle inflige plus un dégât. Bien. Persuasion, c'est un événement pour deux. On peut déclencher une discussion. Choisissez un ennemi humanoïde non faiblesse dans votre lieu et effectuez un test d'intelligence 3, enfin de bouquin 3, je crois que c'est intelligence. Hein. La difficulté de ce test augmente de plus X, X étant la valeur d'horreur de cet ennemi. En cas de réussite, mélangez l'ennemi choisi dans le deck rencontre. Si c'est un ennemi élite, échappez-lui automatiquement à la place. Ouais. Bon, bah là, je sais pas. Je suis perplexe. Je sais pas, je sais plus jouer à ce jeu-là. Analyse, subtil, c'est un soutien, talent, permanent, limite de 1 par deck. Chaque fois que vous améliorez une carte avec le sous-titre non identifié ou non traduit, vous avez le droit d'améliorer un deuxième exemplaire de cette carte sans que cela ne coûte d'expérience. En ce cas, les deux exemplaires améliorés sont sélectionnés au hasard parmi les options possibles. Ouh là là, j'ai absolument pas compris là. Donc c'est une carte dont l'effet se déclenche en dehors de la partie au moment où on upgrade ses cartes avec l'expérience, normalement, si j'ai bien compris. Vous avez le droit d'améliorer un deuxième exemplaire de cette carte. En ce cas, les deux exemplaires améliorés sont sélectionnés au hasard. Je comprends pas ça. Parmi les options possibles. Bah, je comprends pas. Si on a une carte à 0 XP, qu'on a 1 XP, qu'on voulait l'upgrader de la version 0 à la version 1, on n'a pas d'autre option possible que de prendre la carte à 1 XP. Moi, je veux bien avoir pour le même prix la carte à 5. Mais bon, je sais pas. Si vous pouvez m'expliquer cette carte-là, franchement, ça, ouais, ça m'aiderait bien. Je ne la comprends absolument pas. Enfin, il y a le petit truc à la fin que je comprends pas. Et tu as cigarette porte-bonheur. C'est un soutien qui coûte 2. C'est un objet qui a en capacité de réaction. Après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez l'étui à cigarette porte-bonheur, piochez une carte. Bon, c'est bien. Receleur, c'est un soutien pour 3. En réaction, quand vous jouez une carte illicite lors de votre tour, inclinez le receleur. La carte illicite gagne rapide. Si elle avait déjà rapide, réduisez son coût de 1 à la place. Pas mal. Recherche ésotérique. C'est un talent permanent. Quand vous achetez recherche ésotérique, subissez un traumatisme mental. Bah, il suffit de la mettre dans le deck de départ et comme ça, on ne l'achète pas. Non, je sais pas. Est-ce que même le fait la mettre dans son deck de départ est considéré comme étant acheté et du coup, on l'a subi. Deuxième problème de règle pour moi, si vous pouvez m'aider, au secours. Après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût d'expérience de la première carte sort que vous améliorez avant le prochain scénario. Ok. Bon, bah étant donné que moi, le deck building et l'expérience, c'est un concept que je trouve mais excellent. Par contre, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, le mode campagne. Bon, je sais pas. Ça, c'est pas trop pour moi, ça. Contresort, bien. Il y a un vrai contresort dans Arkham. Ça coûte 2. C'est un sort rapide à jouer quand un pion KO. Bla 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 bla, je pense que vous voyez les icônes. Et révélé lors d'un test de compétence de votre lieu, annulez ce pion. Bien, ça me plaît, ça. Ça, c'est cool. Persévérance, ça coûte 2. C'est un événement rapide à jouer quand des dégâts et ou horreurs qui devraient vous vaincre vous sont assignés. Annulez jusqu'à 4 de ces dégâts et ou horreurs. Oh, ça, c'est génial.
Franchement, c'est une tuerie, ça. Ah ouais, non, mais faut que je mette ces cartes direct dans mes decks actuels, il n'y a pas. Hein. Coup étourdissant, c'est une compétence. Ok, si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. Ah, c'est génial, ça. De toute façon, tout ce qui fait du X pour 1 dans tous les jeux, c'est fort, mais... Ah ouais, c'est fort. Ok, et eh ben écoutez, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider pour les règles sur ces deux cartes, et eh ben franchement, je vous dirai merci. Allez, sur ce, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. J'espère que malgré tout, ça vous plaît, même si j'apporte franchement rien de très intéressant. Si vraiment c'est pas bien, franchement, dites-le moi. Écoutez, j'en ferai pas, hein, ça sert à rien de... Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Hein. Puis, je reconnais moi-même hein, que je ne fais que lire des cartes, hein, je les découvre avec vous. Donc, franchement, il n'y a rien de transcendant. Mais en tout cas, dites-le moi que je le sache, quoi. Voilou, voilou. Allez, je vous laisse. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, le pack, il est dispo hein, tout de suite maintenant. Vous pouvez vous faire plaisir. Allez, à la prochaine pour le prochain pack. Salut tout le monde.